Salam alaikum azofillahun, bonsoir. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Hussein Aït Ahmed est mort aujourd'hui, mercredi 23 décembre à Genève, en Suisse. Il était âgé de 89 ans. Hussein Aït Ahmed était le dernier des grands leaders révolutionnaires qui avaient été à l'origine de la révolution du 1er novembre 1954, de son déclenchement, qui allait aboutir à la libération du peuple algérien après 132 longues années de colonialisme. Après la crise de l'été 1962, il démissionne du GPRA. En septembre 1963, il fonde le Front des Forces Socialistes, FFS. Il tente de résister à la prise du pouvoir par le coup d'État perpétré par l'armée des frontières. Il est arrêté et condamné à mort en 1964 par le régime de Bembella Boumediene. Il s'évade de la prison d'Al-Harrach en mai 1966 et s'expatrie en Suisse, où il continue de s'opposer au régime algérien. Il sera persécuté par ce régime qui tentera de salir sa mémoire, mais en vain. Hussein Aït Ahmed est resté le grand révolutionnaire pour des millions d'Algériens. Il ne reviendra en Algérie qu'après l'insurrection d'octobre 1988. Il prend une position courageuse contre l'interruption du processus électoral en 1992. Il organise une méga manifestation à Alger le 2 janvier 1992 avec le mot d'ordre « Ni État policier, ni République intégriste ». En 1995, Aït Ahmed s'engage dans un processus pour la fin de la violence malgré l'extrême nuisance d'un régime qui cherchait à implanter durablement la violence. Il signe à Rome avec les représentants de 6 autres partis et d'autres personnalités politiques d'horizons divers, la plateforme de Sant'Egidio. Aujourd'hui. Atlas Info. Décès de Hussein Aït Ahmed, l'un des dirigeants historiques de la révolution algérienne. El Watan. Urgent. Décès de Hussein Aït Ahmed. TSA. Décès de Hussein Aït Ahmed. Avec nous aujourd'hui pour parler de ce tragique événement, Youssef Aouchich, chargé de la communication du FFS, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, Faisal Mataoui, journaliste, Anwar Haddam, président du mouvement LGS de Washington. Avec moi sur le plateau, mon confrère Nasser Jodi. Et nous ouvrirons le standard après que nos invités qui seront avec nous au téléphone nous auront quittés. Youssef Aouchich, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vous. Salam alaikum, Azulfloun. Azulfloun, merci. Alors, dites-nous, vous confirmez donc cette information? Effectivement, nous avons appris avec beaucoup de tristesse aujourd'hui la disparition, le décès de notre camarade militant, président d'honneur du FFS à l'âge de 89 ans, dans un hôtel à Lausanne. C'est un événement tragique pour nous et pour tous les citoyens algériens. Avec la disparition de Hussein Aït Ahmed, c'est tout le peuple algérien qui est enduit aujourd'hui, c'est tous les militants de la démocratie et de... Je crois que nous avons perdu Youssef Aouchich, nous allons essayer de le retrouver. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci. Dites-nous, Sofiane Gilali, quel est votre sentiment lorsque vous avez appris que Hussein Aït Ahmed vient de nous quitter?
Écoutez, pour ne rien vous cacher, bien entendu, on s'y attendait tous à un moment ou à un autre. L'homme arrive plus de l'âge et on savait, les peu de nouvelles qu'il y avait disaient qu'il était au crépuscule de sa vie. C'est le moment de, d'abord, permettez-moi de faire mes condoléances pour toute sa famille, pour ses proches, également pour tous les militants qui étaient au FFF avec lui et qui le sont toujours. Beaucoup d'Algériens vont avoir une pensée pour cet homme qui a fait partie de l'histoire moderne de l'Algérie et qui l'a fait aussi en partie avec d'autres de ses camarades, de ses amis depuis les années 40. Que voulez-vous qu'on dise ce soir? Il va y avoir beaucoup de bonnes choses qui vont être dites sur Aït Ahmed. Permettez-moi de dire une chose, c'est que cet homme a vécu sur ses convictions, quelles qu'elles soient. Il a tenu bon face au pouvoir. Il n'a jamais cédé sur ses principes. Il n'a jamais cédé sur ce qu'il pensait être bon pour son pays. Il n'a donc jamais cédé face à ce qui aurait pu lui être proposé. Il a fini sa vie comme il l'a commencé, en opposant. Je peux vous dire qu'en ces moments, il peut donner aussi d'exemples à d'autres pour pouvoir s'opposer à un régime sans céder en rien et pouvoir espérer même finir sa vie dans la même situation avec honneur et dignité sans jamais céder à l'attrait du pouvoir lorsqu'il s'agit de mettre de côté ses convictions. Merci. Il sera donc un exemple important pour les générations à venir. Merci Soufiane Gilali pour ce témoignage. En espérant vous revoir bientôt. Anwar Haddam est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Alors d'abord, votre sentiment sur cette disparition? بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ان لله وإليه راجعون c'est avec peine que nous recevons cette nouvelle. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances pour sa famille, pour ses amis et pour tous les militants pour la liberté en Algérie. Bien sûr que nous n'étions pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais j'ai trouvé en cette personnalité historique un homme de principe. Et j'ai trouvé un partenaire vraiment pour le rétablissement du droit du peuple algérien à choisir librement son autorité politique. J'ai trouvé un partenaire solide durant les négociations pour la plateforme dont vous avez mentionné, à Rome, dont j'étais l'un des signataires au nom du fils. Il a été resté fidèle à ses principes jusqu'à la fin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accepter et de lui accorder pardon. Et je pense qu'il est vraiment, malgré nos différences, et c'est ce qui fait la richesse de l'Algérie, nous sommes un peuple divers, mais nous avons tous lutté pour la liberté de l'Algérie, toutes les tendances confondues en Algérie, pour la liberté du peuple algérien, du joug colonial, et pour l'établissement d'un état de droit, d'un état où il y aura la souveraineté du peuple algérien, où le peuple est souverain, et où l'armée est sous le contrôle de l'État. Et c'est restez avec nous. Restez avec nous, Anwar Haddam. Vous allez rester avec nous tout le long de l'émission. Nous avons retrouvé Youssef Aouchiche, qui ne peut pas rester longtemps avec nous. Il a demandé à ce qu'on ne le garde pas trop longtemps. Youssef Aouchiche, je vous laisse poursuivre ce que vous nous disiez. Oui, désolé pour la coupure. En fait, on reçoit beaucoup d'appels de la part des militants et de la part des citoyens qui présentent leurs condoléances d'abord à la famille du défunt et ensuite pour l'UFFS. Donc je vous disais, malheureusement, comme disait Hussein Aït Ahmed, c'est le cycle de la vie qui s'est imposé, qui a imposé sa loi. Donc je vous disais également que c'est toute l'Algérie qui est en deuil avec la disparition de Hussein Aït Ahmed. C'est un militant impénitent, c'est un militant qui a sacrifié toute sa vie, qui a consacré toute sa vie pour lutter pour le bonheur des Algériennes et des Algériens.
et pour l'Algérie. Donc, on n'a pas de mots pour vous décrire la tristesse dont on se trouve actuellement. Je pense que s'il y aura du nouveau, on va tenir l'opinion publique au courant de nouveautés concernant ce sujet, notamment concernant l'enterrement. Est-ce qu'il a laissé un testament politique? Est-ce qu'il a laissé des directives? Je vous disais, s'il y aura de nouveau, on va tenir l'opinion publique au courant de tout ce qui va suivre l'enterrement ou le testament. Donc, on est en contact avec la famille et s'il y aura de nouveau, on va le rendre public. Est-ce qu'il va être rapatrié et inhumé dans la terre algérienne? Pour le moment, je ne peux pas me prononcer. Il faudrait discuter avec la famille du défunt et pour voir les procédures à engager par rapport au rapatriement et par rapport à l'enterrement. Merci beaucoup. En tout cas, je vous prie au nom de Maghribia de présenter nos condoléances à la famille et à tous les militants du FFS. Merci beaucoup, Siaouchich Pralakher. Merci. Je vais lire quelques commentaires qui sont en train de tomber sur ma page Facebook. Selim Barouche, c'est un homme, plutôt un héros, mais il a disparu dans le calme, Rabbi Rahmo. Sami Iris, c'est l'un des chefs historiques de la révolution algérienne, paix à son âme. Chaouche Belouzdad, c'est l'un des enfants les plus fidèles que l'Algérie ait perdu aujourd'hui. Nasser Din Aoudia, qu'il repose en paix. Il est parti. Jugurta, il a eu une guerre contre la France avec des moujahidines, mais une vie politique qui ne pouvait continuer vu les milliers de traîtres qu'il voyait tourner autour de cette Algérie. Marzouk Athmani repose en paix d'Al-Hussein. Hass Badani, avec le décès de Aït Ahmed, la nation algérienne est doublement triste. D'abord pour avoir perdu un de ses valeureux enfants, qui a tout consenti pour l'indépendance de son pays et l'instauration d'un État politiquement pluriel où les libertés démocratiques et la tolérance ne sont pas de vains mots. L'homme de la légalité, de la non-violence et de l'appel de Rome, qui n'a jamais cédé aux offres mirobolantes du pouvoir d'Al-Hussein, est parti à jamais sans que ses aspirations ne soient réalisées dans ce pays. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nasser, merci d'être avec nous. Merci. Nasser, Dalhou, comme on l'appelle affectueusement en Kabylie, tu es toi-même Kabyle, il est très aimé en Kabylie. Il est très aimé. Il est vraiment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est tant aimé? Bonsoir, Jamaldine. Bonsoir. Tout d'abord, mes condoléances à la famille de Aït Ahmed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À tous ses admirateurs, à toute la famille du FFS et surtout les Kabyles qui sont profondément vont être touchés ce soir par son départ. C'est un homme qui a marqué la politique algérienne. C'est un homme qui s'est fait aimer par son parcours, par sa franchise, par son combat qui était pour la liberté du peuple algérien, que ce soit sous la France ou après l'indépendance. Comme on le sait, il a combattu donc, les régimes qui sont venus après l'indépendance et qui ne partageaient pas leur projet de société. Donc, si je peux fermer la parenthèse. Oui. Mais tu disais, le Kabyle, moi je crois qu'il est, Hossein Aït Ahmed, est aimé de tous les Algériens. Tout à fait. En fait, c'est vrai que il a été enfermé dans une sorte, il a été ghettoisé, le FFS, parce que le régime ne voulait pas que le FFS se répande un peu partout aux quatre coins du pays. Donc c'est le régime qui a empêché le FFS de vraiment de s'étendre au niveau de tout le pays. Mm-hmm. Mais Aït Ahmed était aimé de tous les Algériens. Ça, Aït Ahmed était aimé de tous les Algériens.
Mais moi, je voulais juste un aperçu de la Kabylie. Oui, Bien sûr que oui. c'était un personnage national, donc qui a été aimé par tous les Algériens. J'aimerais revenir, Jamaldine, un peu sur son histoire, si on peut appeler un aperçu un historique. Aperçu historique. Historique. Oui. Donc, Hussein Aït Ahmed est né dans la région de Ain el-Hammam, Aït Yahya, qui est très connue, donc à la wilaya de Tizi Ouzou, le 20 août 1926. Donc, il est d'une famille dont on dit Chorfa. Chorfa, c'est une famille maraboutique. Maraboutique. Qui est très attachée à la religion. Yahya, moi-même, je suis de la région Jamaldine. Taqaf Yahya, donc c'est des gens, c'est des marabouts. Donc on dit des maravdan en kabyle, le mot des maravdan. C'est des gens très respectés. Donc il est né là-bas donc en 20 août 1926 comme on le sait il est décédé aujourd'hui le 23 décembre 2015 à Lausanne en Suisse après avoir été pendant la guerre d'indépendance algérienne l'un des principaux chefs du front de libération nationale Ahmed, il a démissionné du gouvernement comme on le sait comme vous l'avez dit dans votre introduction du GPRA donc le gouvernement provisoire de l'Algérie. On savait qu'il y avait une crise en 62 et en septembre 63, il fonde le FFS, donc le parti qui l'a accompagné toutes ces années. Il y a eu des maquis, les fameux maquis Kabyle en 63 contre le régime Boumediene Bembella. Bien sûr, donc lui il était contre, il a été arrêté en 64, il s'évade de la prison d'El Harrach le 1er mai 66, exilé en Suisse, donc son il rentre en Algérie après les émeutes de 88, du 5 octobre 88, quitte de nouveau l'Algérie après l'assassinat de Bodiev. Je rappelle qu'on lui a proposé d'être le président, avant Mohamed Bodiev, d'être le président algérien pour camoufler, parce qu'il voulait absolument un historique pour le mettre en façade et il a refusé. Bien sûr, il a refusé, il a toujours... il pensait, il avait une vision de la société Jamaldine, cette vision qui était ouverte, bien sûr, sur l'autre monde, et que chaque Algérien avait sa place dans la société, et qu'il était contre le totalitarisme, si on peut dire ça. Donc, il était contre le régime qui était installé depuis 62. Il combattait ça dans son combat politique. Et avec lui, d'autres compagnons, comme Alim Sidi Rabbi Rahmo, qui a été assassiné par la sécurité militaire. En 87 à Paris, donc qui était le bras droit de Aït Ahmed. Est-ce qu'on ne peut pas rappeler qu'il s'est opposé à l'interruption du processus électoral? Tout à fait, il s'est opposé et on sait très bien que le FFS, surtout Aït Ahmed, était l'un des pionniers à organiser donc la conférence de Rome, Sant'Egidio, en 95, vous l'avez dit dans votre introduction, Jamaldine, qui avait six partis qui étaient là à la table. Donc, on voulait sortir l'Algérie du gouffre. Donc, les signataires du Central National s'étendent sur un contrat politique. Donc, le contrat, c'était politique, constitué d'un ensemble d'engagements dont les plus importants sont l'alternance au pouvoir, la liberté de culte, la primauté de la loi légitime, sur toute autre loi issue d'assemblées non élues légitimement, l'égalité des citoyens sans distinction d'aucune sorte, l'accession au pouvoir par des moyens pacifiques, le rejet de la violence pour se maintenir au pouvoir ou pour y parvenir. Ça, c'était ses convictions. Oui. Il est parti à Rome pour signer sur la conviction des partis qui étaient là. Donc c'était quelqu'un qui voyait que aller au devant, c'est donner la chance aux gens d'y participer dans le champ politique, c'est donner la parole au peuple, c'est la volonté du peuple qu'il faut respecter. On peut pas aller au devant, on peut pas aller, si on peut dire, dans une direction où l'Algérie peut avoir beaucoup de bénéfices si on était ouvert, si on a respecté la volonté du peuple algérien. Mais malheureusement, il n'a pas été écouté. Et là, nous sommes dans une situation, malheureusement, qui est l'Algérie, qui n'est pas facile du tout. Exactement. On va
On va ouvrir le standard pour permettre à nos téléspectateurs donc de s'exprimer sur ce tragique événement. Nous allons retourner pour une courte et brève intervention de Anwar Haddam, qui est toujours avec nous. Anwar Haddam. Oui, oui. Alors, quelle a été l'attitude de Aït Ahmed pendant la rencontre Santa Gidio? On l'avait vu, je crois, prendre une arraguilla de quelqu'un, la mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'était lui? Enfin, c'est-à-dire comme... Ah non, ça c'était Bembella, je crois. Bembella qui avait pris arraguilla de je ne sais pas qui. انت الشيخ الحسين رحمه الله عليه الحسين سليماني هو كي ا ايتي فريمون لو فاسيليتاتور انتر نو توس يعني داكور وي شيخ بن ميديا كي ايتي ان كونتاكت افيك سانت جيليو دوبي دي ديسيني دونك سكون افي تروفي اون ايت احمد فريمون اي سيتي لا كونتينياسيون اكتويلمون دو سو فامو دو سو فامو de cette fameuse rencontre historique juste après le coup d'État, juste après le premier tour des élections entre Cheikh Mohamed Saïd, rahmatullah alayh, l'Akh Hashani, rahmatullah alayh, Aït Ahmed Mehri, rahmatullah alayhim jami'an. Ça a été, nous avons actuellement cette rencontre historique dont peu parle actuellement, qui a facilité les rencontres de Rome actuellement après, parce que nous avons trouvé en lui particulièrement, et Mehri, rahmatullah alayhim, cette volonté d'accepter le résultat du scrutin. Et ils avaient donné leur parole de respecter le choix du peuple et d'œuvrer ensemble pour la continuation du processus démocratique. Et donc, on avait trouvé vraiment, malgré, comme je l'avais dit, parce que nous sommes différents, il faut reconnaître, et c'est ça la richesse de notre pays. Que ce que le pouvoir voudrait et complètement, c'est cette diversité de notre peuple. Mais nous sommes tous d'accord. J'ai trouvé vraiment une sincérité chez lui, qui était vraiment sincère pour l'établissement d'un état de droit. Restez avec nous, Anwar Haddam. Rabah de Bouira. Alan. Rabah, Rabah Aït Aziz, تفضل, je vous en prie, Rabah. يعني vraiment, le mot de l'Aït Ahmed, يعني tout le monde qui n'est pas sur le trop. يعني alors, il y a Aferh Marbi, Zergaz, يعني vraiment, c'est le bras de Rouen, le bonheur de Bouria, Aferh Marbi. Mais vraiment, il génère, يعني vraiment, il génère de, يعني le wesh. بارك الله فيك شكرا محمد محمد دو غراند بريطاني تفضل سي محمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله Je vous en prie. Je peux m'exprimer en arabe? Et je vous en prie, تفضل. صح. اولا السلام عليكم ونعرضي السلام. تعازي لاهل الاخ ايت احمد نقول الاهل تاعو عظم الله اجركم وشكر الله لكم. وي. هذه تشكر وقول هو قائد من ابطال الثوره وهذه تقعد في سجل نتاعو انه تنازل في 62 جزاه الله خير وتنازل على تنازل على الرئاسه جزاه الله خير وربي يرحمه ويعظم اجره السلام عليكم بارك الله فيك وعليكم السلام محمد تيزي وزو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله on apprend avec beaucoup de tristesse la disparition de monsieur Aït Ahmed c'est un grand homme fait partie parmi les comment dire, l'un des rares hommes dans cette planète qui a fait deux combats suite. Le combat de la liberté pour le peuple algérien sous le joug du colonialisme français. Et puis un autre combat pour la démocratie et la liberté dans son pays sous
sous tous les gouvernements qui sont passés succédés à la tête de l'État, pour ce compte à ce système. Elle a fait tout son combat pour que le peuple vivra dignement, mais je pense qu'il faut... Il faut parler beaucoup de lui pour que la nouvelle génération, comprenne, connaître cet homme qui a laissé un parcours très, 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 très riche. Et comme je l'ai dit tout de suite, c'est l'un des rares hommes dans la planète qui a fait merci, un merci, qui... c'est Mohamed. Merci. Abdelkader de Bjaïa. Azulfulaouna, Khoya Abdelkader, tfadal, je vous en prie. تحياتي نازلين صبرا بقرا لي كوندوليونس بوغ لا فامي بروش دو ايت حماد بيان سور بور توت لا فامي الجيريان. ميرسي ميرسي بوكو. جمال دو سكيكدا. جمال دو سكيكدا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الزول في اللون. جمال. اهلا بك. C'est pour les condoléances à Aït Ahmed, le grand révolutionnaire. Je vous en prie. Oui. Malheureusement, on a perdu un grand monsieur. Oui. Salam alaykoum, Mathis. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mohamed de Paris. Assalamu alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. حاولت أن نعبر عن تعازي لعائلة الشهيد المناضل الكبير. سي احمد بن بلا وكما كمان اليوم جو سوي تري بري اون تريستيس على المناضل هذا الكبير الذي غادرنا في اجواء الو وي وي je vous en prie essayez d'être bref s'il vous plaît à beaucoup d'appels وي راني في ديريكت ولا vous êtes en direct نعم Je vais rappeler parce que je vais rappeler, s'il vous plaît. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. Abdelkarim de Paris. Abdelkarim. J'aime le dire, bonsoir. Bonsoir. Bon, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt et à l'Algérie parce que l'Algérie vient de perdre un grand homme, un historique, un homme à principe, un homme de valeur. Pas les basses, ce que la mort ne veut même pas de ceux qui ont ruiné le pays. Ceux qui marchent dans une brouette, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Abdallah. Bouaqba d'Alger. Nam. Bouaqba d'Alger. Ah, Bouaqba, t'as pas vu une série de khabar. Ah, l'imbik, c'est Bouaqba. Merci. Nana, Hakikatel. Zubni, le wafat, Ali, l'imami, le marhoum, là. قابلته عدة مرات آخرها لما ترشح للرئاسيات في 2009 ودرت معه حديث استمر تقريبا 5 ساعات وحقيقة فوجئت الجزائر به هذا الرجل من صغري وانا انسرقت له كواحد من زعماء الخمس حتى انني لما قابلته ولإجراء حديثي معه قال لي هل حقيقة كنت تصدق حتى سلوى ويديك؟ قلت له نعم. والحديث مر تقريبا سريعا رغم انني جلست معه 5 ساعات. وهزتني شاهدته فيما يتعلق بالطائرة المختطفة عندما قال لي بإنسانية وضعت الكابوس في رأس الطيار لكي لا يسلمنا ولكن لما قال له عندي أولاد قال عاود نحيته وسلمت أمري لله حقيقة كان رجل بحجم الجزائر وبحجم الثورة وهذا آخر الأعمال قال يخرجوا من الحياة النأسة حقيقة وما نجم نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون ونتمنى لعائلته الصبر والسلوان وللجزائر التعويض عنه. بارك الله فيك سي بوعقبة عن الشهادة هذه الطيبة بارك الله فيك. معنا حسين دو فرانس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله جوزون بخير سي حسين. خويا نعبروا على هذا الوفاة تاع الرجل العظيم ونعزيو العائلة تاعه ونعزيو كاع المجاهدين واش هو اللي نتأسفوا له كاع المجاهدين الحقيقة اللي الو نعم انا نسمعوا فيك تفضل
المجاهدين قال انه با بروفيتي دو سيت اكت انديبوندونس دوبوي لو طون فان دو بلا ايتي اون بوزيني فان قاعد فاصون لا قبوده قتلوه هذا الاخ اللي توفى اليوم ما بروفيتاش سياسيا الى نو نو با بروفيتي بوليتيكمون بيرسون واستعمروا هذا البلاد استعمروها بطريقه عشوائيه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد القادر دو فرانس. عبد القادر دو فرانس. الو وي جوزون بريسي. عبد القادر تفضل. مساء الخير عبد القادر من سريه. تفضل سي عبد القادر. وين ترحموا على الفقيد الكبير العظيم تاعنا ايت احمد رحمه. وي جوزون بري جوزون بري بارك الله فيك. Je vais lire quelques messages rapidement avant de revenir au standard et à Nour Haddam. Kamal Haider, le frère de Hachani Rabbi Rahmou, Rahimah Allah wa Askanahu Fasih Janani. Mes sincères condoléances à tous les Algériens et particulièrement aux siens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Brahim Boukarma, Rabbi Rahmou, walakin je lui en voulais pour son silence subi depuis bien longtemps devant Al-Fasad comme il nous l'a toujours habitué. Je m'excuse d'avoir lu un tel message, je suis désolé. Anwar Haddam, vous êtes avec nous? Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le régime devrait vite annoncer qu'il y a au moins 3 jours de deuil? Vous ne pensez pas que c'est la moindre des choses qu'il aurait déjà dû faire sans attendre? C'est possible qu'il va le faire, mais le peuple algérien, il est en deuil depuis qu'on nous avons entendu cette nouvelle. On n'a pas besoin de ce régime pour vraiment réfléchir et penser sur cet homme, cet valeureux fils de l'Algérie, et sans exagération, parce qu'il faut le dire. Il est « rahou bayna yadayllah al-an », donc... Mais si on est vraiment, si on veut avoir un deuil sur Hussein Ayet Ahmed, et là je lance un appel à tous les sociodémocrates, œuvrons ensemble pour l'idéal de Hussein Ayet Ahmed et ses confrères, ces jeunes, tout à fait jeunes qui ont commencé, qui nous ont montré ce chemin, vers l'indépendance de l'Algérie, vers l'établissement d'un état de droit en Algérie. C'est ça ce qu'il faut, Yanni. Il faut lancer ça. Mais je n'entends rien de ce régime. C'est possible qu'il va le faire. Il va même faire peut-être une semaine. On ne sait pas. Vous savez l'exagération de ces gens-là. Mais le peuple algérien est en deuil. Ça je peux vous l'assurer. Restez avec nous, Anwar Haddam. Jamel de France. Allô, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, Ahmadullah. Tfadal, si Jamel. Aïe, tu peux nous aider le peuple algérien de l'Est et du Nord et du Sud. Il y a l'Omda et le Zaïm Thawri. وإن الله إليه راجعون وربي يتقبل إن شاء الله تعزيز الشعب الجزائري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Avec nous Faisal Mattawi qui vient d'arriver. Merci Faisal d'être venu nous rejoindre dans cette émission très spéciale pour parler de ce tragique événement qui est la disparition de Hussein Ayet Ahmed. Merci beaucoup Jamal, bonsoir. Effectivement, bonsoir. C'est une grande disparition comme vous le dites, ça arrive à la fin de l'année, au moment où l'Algérie a plus que besoin de Hussein Ayet Ahmed en tant que leader nationaliste, en tant qu'homme qui s'est attaché et a toujours défendu les valeurs de droits humains, il a fait même un doctorat sur ça, et les valeurs de démocratie, de la diversité et du respect de l'autre. C'est un homme qui disparaît, Qudrat Allah, c'est Allah qui l'a voulu, mais son combat va continuer parce qu'Ayet Ahmed était un exemple, surtout pour la jeune génération qui ne l'a pas connu, parce que moi-même je fais partie d'une génération qui n'a pas lu sur Ayet Ahmed dans les manuels scolaires ou à l'université. On l'a découvert après parce que le régime, vous savez, le régime d'Ahmed Ben Bella et puis du régime de Houel Boumediene, et les régimes qui sont venus après ont tout fait pour effacer la mémoire d'Ayet Ahmed et d'autres militants valeureux de la guerre de libération nationale, de la démocratie, pour qu'on ne connaisse pas leur combat. Dommage que Ayet Ahmed n'a pas continué l'écriture de ses mémoires, parce que vous le savez qu'il a écrit les mémoires d'un combattant. On aurait voulu qu'il écrive également sur son combat politique après 1962. Ayet Ahmed, qui était membre du GPR, un gouvernement provisoire algérien, était contre l'arrivée du commandement de l'armée, l'état-major des frontières qui s'est imposé en Algérie après le coup d'État et qui a donc fermé toutes les portes de la diversité et de la démocratie après le coup d'État militaire de 1965. Ayet Ahmed avait tant de choses à dire pour laisser donc des traces aux générations futures.
Restez avec nous, Faisal Mattaoui. Je vais lire deux commentaires sur ma page avant de revenir à Nasser. Kamel Berchi qui nous fait une proposition. Allah yarhamo, moi je propose une pétition nationale pour que la grande mosquée d'Alger porte le nom de ce grand homme. Et Mohamed Salim Nassib, la chouma est la grande honte. En ce moment, la télévision publique algérienne fait passer El Hain wa Shabab, au moment où nous perdons l'une des plus grandes icônes de l'Algérie. Pardon d'El Hussein. Nasser, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? C'est très grave. Bien sûr, quand on, après avoir écouté ça, Jamal Din, El Hain wa Shabab, après la mort de d'El Hussein, ce que j'ai constaté, les appels qu'on a reçus, Jamal Din, ou que tu as reçus, c'est des appels de tous les Algériens, des Algériens qui se sont exprimés en arabe, Bedarja, en kabyle aussi. Oui. Cet grand homme était aimé par tous les Algériens, donc. Et je voulais juste vous dire, Jamal Din, ce qu'il a dit juste après donc, l'annulation du premier tour de 1991, donc c'était les législatives. Hussein Aït Ahmed met en garde donc, contre le danger de voir les hommes prendre le pas sur les urnes. Donc il a mis en garde en ce moment-là. Il a aussi, c'était son combat. En juin 1992, juste une semaine avant l'assassinat de Boudiaf, il voulait organiser une très grande conférence nationale pour faire sortir l'Algérie de la crise sur le modèle sud-africain. Donc, mais malheureusement, une semaine après l'assassinat de Boudiaf, donc il a pris la décision de s'exiler encore une autre fois. Il revient en Algérie en 99 où il voulait se présenter comme candidat à la présidentielle. Il se retire le 14 avril à la veille du scrutin pour dénoncer la fraude et tous les candidats qui étaient contre Abdelaziz Bouteflika en 99 se retiraient aussi. Donc un homme de principe, un homme de combat, il a été toujours du côté de la liberté du peuple algérien, du respect de son choix. Et donc ça, c'est une legacy, si on peut dire, qu'il a laissé pour tous les Algériens, pas seulement pour l'FFS. Moi, je me rappelle un témoignage personnel, Nasser. On m'avait dit un jour qu'il était très amer par rapport à la passivité des Algériens qui se laissaient faire. Quelqu'un me l'avait dit. Il m'avait dit qu'il avait toujours pensé que le régime était une conséquence de la passivité et non pas une cause. Et donc, un jour, je l'ai rencontré à Paris, on a discuté, et je lui avais fait part de mon amertume, à moi aussi. Je lui avais dit que je déplorais beaucoup cette passivité, voire même parfois cette complicité, parfois active, de la presse algérienne, de certains journalistes du moins, pas tous, fort heureusement. J'étais très amer vis-à-vis de la presse algérienne. Moi, je pensais qu'il allait me rejoindre dans cette... Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment surpris. Il m'a dit « Il ne faut jamais désespérer du peuple algérien ». Il a été très profond dans la déchéance, il a su se relever, il a su combattre, il a su reconquérir ses lettres de noblesse et sa dignité. Alors vous n'avez pas le droit de désespérer, vous n'avez pas le droit. Il y a dans la presse des hommes libres, il y a dans la presse des hommes dignes, il y a dans la presse des hommes qui vont se lever. Ne craignez pas, ne désespérez pas du peuple algérien, c'est ce qu'il m'avait dit. Je reviens à Faisal Mattaoui. Faisal? Oui, Jamal. Vous avez entendu ce témoignage sur Aït Ahmed concernant les journalistes, la presse algérienne? Oui, moi-même, j'ai eu l'occasion aussi de le rencontrer une fois à Alger. On a longuement discuté parce qu'il ne parlait pas, il parlait couramment à des journalistes, parce qu'il était un peu amer par rapport à l'attitude de la presse
surtout après l'arrêt du processus électoral en 92. Vous savez qu'une partie de la presse s'est mise du côté des militaires, a défendu les options d'atteinte aux droits humains et aux atteintes aux libertés. Donc il avait été vraiment amer, était vraiment déçu par ce comportement, mais Aït Ahmed, un homme juste, un homme clairvoyant, il faisait la part des choses. Il savait bien qu'une partie des journalistes étaient soumise à des pressions énormes de la part du pouvoir à l'époque, mais également il y avait d'autres, une autre partie qui militait et continuait à militer pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour la liberté d'expression, et il était aux côtés de ce combat. Il avait toujours soutenu, d'ailleurs le FPÖ, c'est un parti qui a toujours et qui n'a jamais changé d'attitude par rapport à cette question des droits humains, à la question des libertés démocratiques, et c'est un parti qui est resté toujours sur la même ligne depuis donc très très longtemps. C'est en raison justement de l'attachement de Aït Ahmed, un homme nationaliste qui est attaché réellement à l'Algérie et à l'Algérie plurielle, et c'est grâce aussi à son combat et à ceux qui sont avec lui, qui étaient avec lui à l'époque malgré les pressions, parce que vous savez que le FPÖ a été la cible de beaucoup d'attaques de la part du pouvoir, d'attaques multiples. On a accusé ce parti de tout, y compris d'intelligence avec l'ennemi, mais malgré ça ce parti, grâce à Aït Ahmed justement, a continué son chemin pour demander plus de liberté en Algérie, pour le respect du choix populaire et pour qu'il y ait une véritable diversité, une véritable transition démocratique dans le pays. Merci Faisal, restez avec nous. Abdelkader de Bjaïa. Abdelkader de Bjaïa. Abdelwahab d'Alger. Ah, est-ce qu'on a perdu? On les a perdus. Je reviens à Anwar Haddam. Anwar Haddam. Oui, oui. Bon. Anwar Haddam, qu'est-ce que vous pensez que la mémoire de Aït Ahmed va s'effacer comme celle des autres qui ont disparu avant lui, celle des grands historiques, ou aura-t-il une place particulière dans le cœur des Algériens? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aura une place particulière dans les cœurs des militants de tous bords, ceux qui sont vraiment pour une Algérie telle que a été visionnée par nos fondateurs de novembre 54. Je pense que tous les militants de toutes tendances confondues, ils auront, ils vont pas l'oublier, c'est sûr. Mais rester fidèle à cet homme, rester fidèle à ses principes, C'est de continuer le combat. C'est ce qu'il faut justement. Il faut continuer ce combat dans notre diversité. Et ça, c'est très important. Parce que je vous le dis franchement, une chose que je me suis pas exprimé beaucoup sur cette question-là. Notre délégation, moi-même, la délégation du fils à laquelle je dirigeais, dans les accords de Rome, on s'est trouvé plus proche. Je vous le dis franchement, et je m'excuse pour mes amis. Oui. Nous sommes trouvés plus proches de la délégation du FFS, du Hossein Aït Ahmed particulièrement, que d'autres de la même tendance islamique. Parce qu'on avait les mêmes principes de fond, les mêmes principes fondamentaux. Nous avions la même vision regardant l'état de droit, regardant ce que devait être l'Algérie, et actuellement tout le Maghreb actuellement, parce qu'on avait vraiment la même vision. Restez avec nous, Anwar Haddam. Youssef de Bjaïa. بخير اخويا العزيز بشراك لاباس يبارك فيك اهلا بك الحمد لله والله حبيت نشارك معكم ان شاء الله شويه في الموت نتاع أيت أحمد الحسين نتمنى له ان شاء الله الرحيم عند الله الكريم ربي يرحمه ان شاء الله وليداته فالله نتاعو ان شاء الله وكل ربي يصبرهم بالصبر العظيم هذا اولا نعم انا عشت في الوقت يعني اللي كان مد المجهود نتاعو اللي باه يعني يدير لو كونديتا بور بن بلا جي 62 عام راني شافي الجيش نتاع بن بلا داروا السيطره عندنا في البلاد في الاقصر ولا في وادا ميزور لي زونفيرون دو لا كابيلي اون ايتي سوفر العزيز وي سوفرينا يعني واحد لا سوفرونس يعني كبيره يعني المواطنين اللي كانوا في الضشره يعني يقولوا بلي انتوما
vous êtes en train d'aider يعني, les soldats de Aït Ahmed, etc. يعني, il faut que nous avons une autre chose. Je vais vous dire que le Hussein Aït Ahmed, je vais vous dire que je vais vous dire que l'Akh, malgré que Allah يرحمه, je vais vous dire que le match. Parce que le pilier stratégique de la révolution algérienne. Barakallahu fik, Youssef. Barakallahu fik, merci beaucoup. Hussein de Londres. حسين اهلا جمال تماني اهلا بك نسمع فيك اهلا سي حسين وي جمال بروبليم يعني cette fois-ci je vais parler en algérien je vous en prie اوكي تفضل يعني اول حاجه يعني نترحم الرجل هذا الرجل اللي حرمونا منه يعني حرمونا باش نعرفوا الرجل هذا البلاد هذه اللي تحرم ولادها باش يموتوا في الوطن نتاعهم دون لو باسي البلاد وبلاد الوطن نتاعو حتى واحد ما عنده حق يحرمه منه أيوة. الوطن نتاعو اللي تربى فيه اللي زاد فيه تربى فيه وكبر فيه ومشى فيه حتى واحد منهم ما حتى واحد ما عنده حق يحرمه اليوم نقول الله يرحمه بارك الله فيك لازم نعرفه بارك الله فيك سي حسين يعني مات في ذيك ممسح لازم نعرفه بارك الله فيك سي حسين السلام عليكم السلام ورحمه الله ان ميساج دو يحيى مخيوبه سلام توت مي كوندوليونس بور حسين ايت احمد فيصل مطاوي فيصل oui je suis là je vous écoute فيصل c'est ça veut dire est-ce que nous sommes conscients que c'est réellement le dernier de ces six grands révolutionnaires qui avaient déclenché le 1er novembre le fameux 1er novembre qui allait donner le jour à l'une des révolutions les plus emblématiques de l'histoire contemporaine. Est-ce que les Algériens sont conscients qu'ils viennent, avec le décès d'Aït Ahmed, de perdre le dernier, la dernière mémoire de cette épopée ? Absolument, absolument. Il était avec Machati le dernier, pratiquement, parce qu'après Ahmed Abdelhamid Mehri et lui, c'est la fin d'une époque, d'une toute une génération. Aït Ahmed, il faut le rappeler, milite. Un militant nationaliste depuis 73 ans. C'est quelqu'un qui est resté très longtemps et qui a beaucoup, beaucoup fait. Malheureusement, et comme la personne qui est intervenue avant de moi regrette que l'homme n'a pas été suffisamment connu par les Algériens, je suis ravi, par exemple, que le FLN, France de Libération Nationale, qui vient de nous envoyer un communiqué et qui considère, c'est écrit en arabe, « Anna Aït Ahmed min abraz les jalat al-Jazair al-Kibar, nabir al-hayat et les khidmat watanih, wa kana rajul al-Qudwa, alladhi yu'min bin al-Hab al-Watan laysa marhounan bimalas أو مسؤوليات أو مواقف موسمية أو ردة فعل. فلان نقصدر كم تحمد كم لام لان دي بلوز امبورتان دالجيريا alors que le même فلان rappelez-vous avait attaqué تحمد avait attaqué le PS l'accusant de tout après 1995 et après la participation au contrat de Saint-Égidio à Rome. Donc heureusement que maintenant on connaît que l'homme était un grand monsieur, c'était un nationaliste, un vrai, un authentique qui avait réellement l'amour de l'Algérie. Et c'est dommage, je dis bien dommage qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écrits de sa part sur cette période d'après 62 jusqu'à 92 et même après, pour qu'on sache ce qui s'est passé, parce que Aït Ahmed connaissait beaucoup de monde, savait ce qui se passait, savait ce qui tramait, il avait eu de la belle expérience, même si elle a été courte, de 1999 lorsqu'il avait participé aux élections présidentielles et beaucoup d'Algériens avaient voulu, avaient même rêvé qu'Aït Ahmed devienne président d'Algérie à l'époque. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu, mais c'était une époque où il y a eu beaucoup d'idées donc développées par lui-même. Et j'espère que les responsables du FFS actuellement continuent le combat Aït Ahmed pour une Algérie plurielle, pour une Algérie démocratique. Merci Faisal Anwar Haddam. Très brièvement, le mot de la fin. Comme je l'ai dit, le mot de la fin, c'est que je souhaite que tous les sociodémocrates, et non seulement le FFS, parce qu'on connaît ce qui se passe, mais tous les sociodémocrates doivent vraiment continuer le combat. Et nous sommes là en tant que tendance politique, nous sommes là pour, main dans la main, essayer d'aller vers l'avant. C'est ce qu'il faut. Il faut aller vers l'avant. Et le peuple algérien tout entier est en deuil pour cet grand homme. Et nous souhaitons que Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne et l'accepte chez lui. Assalamu alaikum, jazakallah. Alaykoum salam, barakallahu fik, c'est Anwar. Nasser, un dernier mot. Merci Jamaldine. Moi, je reviens à ce qu'il a dit, Hussein de Londres. C'est dommage qu'un grand homme comme Yani Del Hussein est mort en exil. Ce n'est pas le premier. On avait Boudiaf, des hommes qui avaient un projet pour l'Algérie. Ils ont combattu
avec force pour qu'on arrive à une Algérie libre. Ils avaient de l'énergie, on n'a pas pu exploiter cette énergie, on n'a pas pu exploiter leur vision de la société algérienne. Malheureusement, on a tout fait pour les exiler contre leur gré. On a aussi assassiné des hommes qui aimaient l'Algérie. Malheureusement, je dis que c'est vrai qu'on n'a pas profité, les Algériens n'ont pas profité d'Ahmed, mais les Algériens espèrent toujours et ne perdent pas l'espoir pour un meilleur avenir, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik Nasser. Comme l'a dit justement Youssef Debjaya, Aïd Ahmed, en réalité, Rabbi yirahmou ala kulli hal, Aïd Ahmed n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il ne mourra jamais. Parce qu'il vivra éternellement dans le cœur de ceux pour qui il a donné toute sa vie, dans le cœur de ceux qu'il a libérés d'une atroce occupation, dans le cœur de ceux pour lesquels il est parti en exil, il a passé une grande partie de sa vie en exil, dans le cœur de ceux qui connaissent sa valeur, qui connaissent son amour pour eux, pour cette terre où il va, nous l'espérons, reposer. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous mes invités, merci à vous qui avez suivi cette émission. Bqa'a al-akhir, bislamah.